Nous approchons jour 19 de ce temps de l'Avent. Paix. La paix est un cadeau inestimable. Aujourd'hui, je vous propose un temps de paix avec l'autre, avec vous. Quand je pense à la paix dans les familles, je repense souvent à cette jeune femme, voilà, qui avait déjà un certain âge, mais qui était quand même jeune, et qui me dit « Non, je n'ai pas de problème avec ma mère. » Alors je lui dis « Ah bon ?» Puis bon, je sais pas, quelques minutes passent, puis quand même je reviens, je lui dis « Mais c'est comment cette relation avec votre mère ? Parce qu'il y a quelque chose qui m'intrigue. » Et puis elle me dit « Bah, je lui parle pas depuis 20 ans. » Ah oui, en effet. Alors là où elle ne voyait pas de problème, moi j'en voyais un. Et voilà, le fossé s'était creusé au point où il n'y avait plus de circulation. De paroles, de gestes, de temps commun entre cette fille et cette mère. Je vous invite aujourd'hui à poser un espace de paix. Ce n'est pas forcément aller directement rencontrer la personne, mais c'est déjà s'ouvrir à nouveau à cette possibilité d'une paix circulante entre vous et quelqu'un d'autre. La paix. Et la paix avec soi? Ah, encore une autre étape. Avec quoi je ne suis pas en paix de moi? Avec quoi je ne me lâche pas la grappe? Avec quoi je reviens sans cesse pour aller plus loin? Plus loin, c'est ok, mais comment? Est-ce que je m'accompagne en me tenant la main ou est-ce que je suis bourrue, sévère, autoritaire? Est-ce qu'aujourd'hui, je peux faire la paix avec un aspect de moi que je n'aime pas? Une partie de ma vie que je n'aime pas? Une partie de ce que j'ai généré que je n'aime pas? Et m'accompagner dans la transformation? Je suis en paix, je vis la paix, je m'ouvre à la paix aujourd'hui. La paix est un cadeau inestimable. Bonne journée à vous.